Te souviens-tu lorsque tu étais au primaire, autour de la troisième année, en mathématiques, et oui, des mathématiques en sciences, il y en a toujours, tu as appris la valeur de position des chiffres dans les nombres. Quoi, tu t'en souviens plus? On te montrait l'unité de mille, les centaines, les dizaines et les unités. Et un petit peu plus tard dans ton primaire, tu as vu aussi les dixièmes et les centièmes, qui représentent les deux premiers chiffres après la virgule. Avec la balance à fléau, chaque fléau représente une valeur de position. Donc, on a les centaines, les dizaines, les unités. Et avec le mini curseur, les dixièmes et les centièmes. Sauf qu'ils ne sont pas placés comme ça, mais bien à la verticale. Alors, si tu regardes bien la balance, les valeurs de position sont placées de cette manière. Pour t'aider, les premières fois, je te conseille fortement d'utiliser une grille de calcul. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, mais tu peux prendre une feuille quadrillée pour bien aligner chaque chiffre selon la valeur de position. Lors de ton premier laboratoire en secondaire 1, tu vas utiliser cette grille. Commençons par le curseur des centaines. Regarde dans la fenêtre du curseur des centaines et note ce nombre dans le tableau comme ceci. Avec le curseur des dizaines, tu fais les mêmes étapes. Donc, tu regardes par la petite fenêtre et tu notes le nombre dans le tableau comme ceci. Avec le curseur des unités, il n'y a pas de différence. Tu fais encore les mêmes étapes. Donc, regarde par la petite fenêtre et note le nombre dans le tableau. Il nous reste le mini curseur. Il est vraiment différent des trois autres. Il n'y a pas de fenêtre, mais une pointe qui indique précisément la valeur de ce curseur. Donc, pour connaître la valeur de ce curseur, on doit compter le nombre d'espaces à partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va vraiment trop vite. 41, 42, 43. Ouf, enfin fini. J'ai compté 43 espaces. En le faisant de cette manière, c'est très long à compter. En plus de ça, il est facile de perdre son compte ou de se tromper lorsqu'on compte le nombre d'espaces. OK, je vais te montrer comment faire pour être vraiment efficace et éviter de te tromper lorsque tu comptes le nombre d'espaces. Tu vas voir, c'est facile. Les dixièmes, donc le premier chiffre après la virgule, sont ici sur le fléau. Tu dois noter celui qui est à gauche de ton mini curseur, donc celui-ci, qui est le 0,4. Dans ton tableau, tu dois l'inscrire comme ça. Pour savoir le nombre de centièmes, tu dois compter le nombre d'espaces à partir du dixième qui est le plus proche du côté gauche, donc toi c'était le 0,4, et le mini-curseur, donc la pointe du mini-curseur. 1, 2, 3. Nous avons trois espaces. Donc ces trois espaces-là représentent trois centièmes que tu vas inscrire dans le tableau comme ceci. Maintenant, pour calculer la masse, c'est très simple. Tu additionnes chaque curseur. Étant donné que tes chiffres sont bien alignés, tu fais qu'additionner chaque colonne. La grosse ligne noire verticale représente une virgule. Il te reste qu'à noter la masse dans le tableau des résultats comme ceci. 191,43, c'est la masse de mon objet.